Je pense que Dieu a quelque chose à faire. I believe God has something to do avec nous dans l'assemblée de Charlotte. With us in the assembly of Charlotte. Je pense que Dieu I believe that God a une leçon. Has a lesson. Il est en train de nous enseigner. He's teaching us. Amen. Nous devons être attentifs. We ought to be, we ought to take heed pour comprendre to understand qu'est-ce que Dieu veut. What does God want? Dieu veut que notre prière soit efficace. God wants our prayer to be efficient. Et il nous donne les tips. He's giving us the tip. Comment on dit ça en français? Les tuyaux. Les tuyaux, hein? Il nous donne un peu d'intelligence. Giving us some intelligence. Pour que nous puissions faire quelque chose. So we can do something. Amen. Amen. Faut que ta prière soit efficace. Your prayer is to be efficient. Et pour qu'elle soit efficace, for that to be efficient, tu dois observer que ton cœur soit pur. You have to make sure your heart to be pure. Parce que la Bible dit the Bible says que la prière du juste the prayer of the righteous a une grande efficacité. Has a great efficiency. Tu dois tout faire pour être juste. You ought to be, you ought to be righteous. Yes. Notre justice, c'est parce que nous avons cru en celui qui est juste. You believe in what, the one that is righteous. Et si tu crois, tu veux dire que sa vie doit être en toi. His life has to be in you. Et tu dois devenir juste. You become righteous. Amen. Veille sur tes pensées. Watch over your thoughts. Veille sur ton langage. Watch over your language. Yes. Veille sur qu'est-ce que tu regardes. What you look at. Qu'est-ce que tu dis. What you say. Yes. Yes. Surtout qu'est-ce que tu dis sur l'autre. What you say about someone else. C'est bien de parler. It's good to talk. Mais seras-tu capable d'arranger? Come on, tell me. Are you going to be able to get it right? Seras-tu à mesure? Are you going to be able? Ah, ce type-là, il est orgueilleux, il est that ceci. Man is proud, tu les juges par rapport à quoi? Judge him according to what? Seras-tu à mesure d'arranger ça? Able to get it right? Parler, c'est facile. Talk is, oh, Seigneur, mais seras-tu à mesure d'arranger? Are you going to be able to get it right? Tu vas prier, tu diras, Seigneur, pardonne-moi, j'avais péché aujourd'hui, mais ce n'est pas ça la repentance. That's not the repentance. Tu dois aller vers la personne. Get to the person. Tu le verras où? Where are you going to see him? Quand tu parles mal de Joseph Branham. Evil of Joseph Branham. Oh, tell me. Tu le verras où pour arranger? Where are you going to see him to fix, to get it right? Tu le verras où? Where will you see? Tu peux dire Seigneur pardonne-moi, mais Branham n'est pas, Joseph Branham n'est pas ton Seigneur. Il est un individu dont tu dois voir. Pour dire mon frère pardonne-moi pour t'avoir critiqué. For criticizing you. C'est ça. Yes. Quand tu parles mal d'un autre prédicateur, of another preacher, seras-tu à mesure de la rage? Are you going to be able to get it right? Oh Seigneur Jésus. Help me Lord. Help me Lord. William Branham, je prêcherai sur ça. Le Dieu de William Branham. God of William Branham. Le prophète de l'âge. Prophet of the age. C'est dans la prédication la délivrance totale. The sermon, the complete deliverance. Femme m'a dit, il était dans la maison. Was in the house. Quand le téléphone a sonné, when the phone rang, c'était les gens qui le tourmentaient pour l'argent des taxes. It was the IRS people. Il a fui. He ran out. Il a dit à sa femme, he told his wife, tell them, Dites-leur, I am not in the house. Je ne suis pas dans la maison. Il était dehors. He was outside. C'est un petit péché commun que nous faisons tous. Yes, a little common sin that we all do. Mais quand il est allé prier pour cet enfant malade, he went to pray for that sick child. Dieu l'a appelé menteur. God called him liar. Yes. Hypocrite. Hypocrite. Va arranger. Go get it right. Branham a laissé l'enfant malade. My Branham left. Oh my, the child. Sick. Il est allé d'abord arranger. Went back to get it. Appeler cette compagnie. Called that company. Yes. Pour leur dire pardonnez-moi. Then forgive me. Quand vous aviez appelé, j'étais là. Called, I was there. J'avais fui. I ran off. J'avais dit à ma femme de vous dire that que je ne suis pas là. À cause seulement de ce petit that péché là, that cet enfant pouvait mourir. That could die. Je me demande. I'm wondering. Où est le Dieu de Branham? Where is God of Branham? Dans nos vies aujourd'hui. Lives today, oh nous vivons comme nous voulons. We live the way we want. Oh, nous parlons comme nous voulons. We talk as we want. Nous traitons les autres comme nous voulons. We deal with people the way we want. Et à la fin, nous prions que Dieu agisse. And then we work for God. We call for God to work. C'est Dieu là, tu l'es un aventurier. Ou c'est le même Dieu de William Branham. Oh my, is it the same God as William Branham? God. Je me pose la question. Nous inventons les choses sur les gens. We invent things about people. Oh, Seigneur. Mais nous attendons l'enlèvement. Waiting for the rapture. Quel ciel nous voulons aller? Which heaven are we going to? Le ciel de Branham. The heaven of Branham. Où nous allons nous fabriquer notre ciel. Are we going to make our own heaven? Peuple de Dieu. People of God. Que personne ne te trompe. Let no one lie to you. Le chemin du ciel est trop dur. Way of heaven is really rough. C'est pour les vainqueurs. For the winners. Veille sur ta façon de marcher. Watch over the way you walk. Veille sur ce que tu parles. Watch over what you talk. Si tu n'arriverais pas à voir ton frère pour l'arranger, alors ne parlez pas. Don't talk. Si tu ne seras pas en mesure d'arranger, right, alors ne parlez pas. So don't talk. Amen. Oui, je dis amen.
Amen. Amen. Dis ce que tu connais. Say what you know. Les choses dont tu as les preuves. Things that you have proof. Et frère Branham a dit, un chrétien ne parle pas mal des autres. Un chrétien ne peut parler qu'en bien. Je me demande, ces chrétiens-là sont comment? C'est tous ceux qui sont sur Internet, je me pose la question. Ils se glorifient d'injurier les hommes de Dieu. Il y a d'autres qui like, d'autres qui commentent. Je me pose la question. Quel ciel ils vont partir? Ils font les analyses des prédications. Qui leur a donné ce mandat? Vous savez, la première personne qui a analysé la prédication dans la Bible, c'est qui? Le serpent. The serpent. Le serpent. The serpent. Dieu a prêché God preached son serment de dimanche. The sermon of Saturday. Ne touchez pas à cet arbre. Look at that tree. Quand vous touchez, vous allez mourir. Quand il a terminé, when you finish, un journaliste est venu. The journalist came. Nous allons analyser la prédication de analyze Jésus. The sermon of Jesus. Quand il a dit ça, il voulait dire ça. Il voulait dire ça. Il a pris la photo là, il prend la photo, il met ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort. C'est ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive quand on fait les analyses des paroles des hommes de Dieu? La mort. C'est vrai. Qu'est-ce qui arrivera quand tu feras les analyses des paroles de ton frère? C'est la mort. Croyez-les comme il vous le dit. Oui. Amen. Amen, amen. S'il te dit, mon frère, je t'aime, arrête-toi là. Stop there. Oui, juste là. Ne lui pose pas de questions. Est-ce que ça vient de ton cœur? Est-ce que ça... Mais je dis ça, qu'est-ce que tu veux? What do you want, oh Seigneur? Bon, ça vient pas de mon cœur, ça vient de mes pieds alors. It's coming from my feet there. C'est vrai? Quand il te dit, il t'aime. Mais il t'aime, mais qu'est-ce que tu veux? What you want? S'il ne t'aimait pas, il t'allait dire, il allait dire, je ne t'aime pas. I don't love you. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. C'est pourquoi j'aime. That's why I love. Quelquefois les caractères américains. The American character. S'il n'est pas content avec quelque chose, il te dira, I do not appreciate this. Il va te dire que je n'apprécie pas ça. L'hypocrisie, c'est du diable. He's of the devil. Si tu n'apprécies pas quelque chose, ne sourissez pas. Don't smile. Say it. Dites-le. Dis clairement que je n'apprécie pas. Au lieu d'aller par quatre chemins, quand ton frère va l'apprendre, il aura très mal. Il aura très mal. Dis-le-lui directement. Ah, mais ça n'est un mot. C'est clair. Je n'aime pas la façon que tu agis. Je vais le dire. Oh Ben, je n'apprécie pas. Ben, I don't like it. Comment tu agis? How you ça va te faire mal, tu vas pleurer, mais l'essentiel, c'est Koyo Kango. Mais si je ne te le dis pas, je me tourne là-bas, Sharon, je n'apprécie pas ce que tel frère fait. Quand il va l'apprendre, est-ce qu'il aura l'onction? Il n'aura plus l'envie de prier. C'est ça. Il y a le frère du message qui ont découragé les autres de suivre Christ à cause de leurs réactions, de leurs injures. Mais nous partons au ciel. We are going to heaven. Il y a un ciel à gagner. One heaven to gain. Et il y a un enfer à éviter. And there is a hell to avoid. Je pense que je suis assez clair. If I'm clear enough, aime ton prochain. Love your neighbor. Croyez le message. Believe in the message. Vivez le message. The message, amen. Le message, c'est la vie. The message is life, amen. C'est la vérité. That's the truth, amen. C'est notre chemin, la that's vie, way, la vérité. The life, the truth, c'est ce message. This is the message. Ce message n'a pas été this destiné pour les brochures. Meant for the brochures. Mais il a été destiné it was meant pour l'âme. For the soul. Croyez au message. Believe in the message. Vivez le message. Believe in the message. Que le Dieu de Branham devienne ton Dieu. Become your God. Branham a été notre gerbe agitée. Branham has been a shame. Dieu l'a agité. Pour nous montrer que tu peux vivre sans hypocrisie. The way that you, so you can live with tu no, peux vivre sans mensonge. You can live with no lies. Tu peux aimer ton prochain. Branham a aimé les abeilles. You love the bees. Qu'est-ce que les abeilles ont à voir avec la vie? What the bees have to do with the life. Il a aimé les taureaux. He's loved the bull. Il a aimé les poissons. He loved the fish. Mais c'est Dieu de Branham là. That God of Branham. Il t'a donné seulement les brochures. Gave you the brochure. Il t'a pas donné cet amour là. He gave you that love. Peuple de Dieu, je parle avec votre âme. Talking with your soul. Nous vivons dans les temps les plus difficiles. We're living in the hardest time. Faisons tout. Let's do everything. Pour que l'amour de Christ soit en nous. For the love of Christ to be le Dieu qui a aidé Branham pour vivre une vie pure, sans tache. With no stain.
C'est Dieu la peine nous aider. That God can help us. I believe that. Le petit péché que Branham faisait là, c'était pour montrer qu'il était un homme. Mais Branham était saint. Branham was holy. Oui, il était saint. Il était saint, frère. He was holy, brother. C'est Dieu l'a arrêté d'agir là-bas. Incapable d'agir dans ta vie. J'ai dit non. I say no. That same God can do something. Même Dieu peut faire quelque chose. Dans la vie de celui là qui va ouvrir son cœur. Pour que Dieu agisse. God can work. Ne vous trompez pas. Don't fool yourself. Tu peux me tromper. You can fool me. Tu peux tromper tout le monde. You can fool everybody. Mais pas ta conscience. But you won't fool your unconscious. Et pas ton âme. And your soul. Et pas Dieu. Not God. Fais tout. Do everything. Pour que tu n'aies pas de face B. So you won't have any face B. Que seul Dieu Let only God règne sur toi. Reign over you. Je pense que j'ai dit vrai. I believe I said the truth. Est-ce que ça entre dans la vie de This quelqu'un? Stepping in someone's life. Nous vivons dans l'ère la plus sombre. We're living in the darkest hours. Dans l'histoire de ce monde. In the story of this world. Ceux qui couraient bien, Those were running well. Ils ont retardé leur marche. They Ceux qui étaient des puissants hommes de Those Dieu, men of God. Ils s'injurient sur Internet. Internet. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. You can't even imagine, yes. Qui va convaincre qui Who's maintenant convince who now? Que le message est vrai? That the message is right. C'est dur. It's rough. C'est dur. It's rough. Mais frère Branham m'a dit, But brother, même si les gens refusent, il y a un petit groupe de gens quelque part qui se prépare pour l'enlèvement. Laisse que parmi ces petits groupes-là, que vous y soyez. That you are there. Amen. Amen. Ne dites pas que quand l'enlèvement viendra, l'Assemblée chrétienne de Charlotte ira. Il faut dire quand ça viendra, je vais être sûr que je partirai. Sure Moi, je partirai. I'm going. Fais tout. Do everything. Pour ne pas manquer la lèvre. Do not miss heaven. Fais tout bien aimé. Do everything beloved. Pour vivre une vie to live a life qui est propre. That is clean. Fais tout bien aimé. Do everything beloved. Nzambe abete la utolo. For God to be happy. Pour dire que c'est ma fille. Say that my daughter. C'est mon fils. My son. Fais tout. Do everything. Pour ne pas séduire les gens. Do not deceive. Avec les simples émotions de l'extérieur. The simple emotions of outside. Mais que ta vie parle mieux. Let your life speak Que tu aies de bonnes expériences. Have good experiences. Que tu aies des choses qui vont convaincre. Everything that will convince. Les gens pour leur dire que je suis People un chrétien. Tell them that I'm a Christian. Qui vont attirer quelqu'un. That will draw some people. Pour croire le message. To believe in a message. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.